Alors il reprit et me
C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, trop montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la mer des Zorobabel. Je branche toujours Zacharie chapitre 3. Nous prenons le verset 6 jusqu'au verset 10. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Je prends le verset 9. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur 7 seules pierres. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé. Dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ces pays en un jour. Nous prenons le livre de Tite chapitre 2, vous pouvez vous asseoir. Le verset premier. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Timothée chapitre 5, le verset 21. 1 Timothée chapitre 5, verset 21. Je te conjure devant Dieu. Devant Jésus-Christ. Devant les anges élus. D'observer ces choses sans prévention. Et de ne rien faire par faveur ou par parti pris. Que le Seigneur bénisse la lecture que nous venons de faire. Que le Seigneur nous ajoute l'explication. Je dis que le Seigneur bénisse la lecture que nous venons de faire. Et qu'il nous aide aussi à être succincts dans notre enseignement. Parce que nous comptons parler seulement un tout petit peu. Nous comptons parler un tout petit peu. Et après, nous allons passer à la prière. C'est pourquoi je vous prie d'être attentif. Parce que c'est la parole de Dieu qui va changer ta vie. C'est la parole de Dieu qui va faire des grandes choses dans ta vie, présente et même dans l'avenir. Si seulement tu es dans l'attention de ce que nous disons. Parce que le frère Paul disait,
Il a dit que vous n'avez pas reçu cette parole comme la parole d'un homme. Mais comme la parole de Dieu. Parce qu'elle est véritablement la parole de Dieu. Et cette parole agit en vous qui croyez. Il disait aux frères de l'église de Thessalonique. Si tu veux que la parole puisse agir dans ta vie, tu dois avoir un regard de foi ou de confiance en cette parole. Mais si tu la reçois comme tout homme, et tu trouves que celui qui est devant toi est un homme comme toi, alors tu vas passer à côté de ce que Dieu t'a préparé. Vous savez, dans les choses de Dieu, il faut toujours aimer que le Seigneur puisse ouvrir sa parole. Le Seigneur avait appelé le prophète Moïse. Le Seigneur l'a appelé pour aller délivrer Israël. Le Seigneur lui a mis les paroles dans la bouche. Le Seigneur lui a donné des signes à opérer devant les enfants d'Israël afin qu'ils croient. Moïse est allé, il a fait sortir le peuple, il a parlé le peuple à qui il les a fait sortir, mais à un certain moment, il est retourné chez le Seigneur, il lui a dit, fais-moi grâce, que je puisse trouver grâce à tes yeux. C'est toi qui as dit que tu m'as appelé, que tu me connais par ton nom et que tu m'as fait grâce. Mais je te demande encore une chose. Fais-moi grâce. Fais-moi connaître tes voies. Et je trouverai toujours grâce à tes yeux. Lui qui marchait déjà avec le Seigneur, un grand prophète comme Moïse, mais il supplie encore le Seigneur de lui faire connaître ses voies. Dans le but de trouver toujours grâce aux yeux de l'Éternel. Trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Il faut que le Seigneur te révèle ses voies à lui. Alors tu vas marcher selon ces voies-là et tu trouveras grâce aux yeux de l'Éternel. Mais si l'Éternel ne fait que te cacher ce que lui l'a préparé comme ses voies, alors comprends que le Seigneur a les programmes de te chasser devant lui. Comprends que le Seigneur veut jeter ta vie en pâture. Mais si le Seigneur t'aime, il veut te faire trouver grâce devant de lui. Le Seigneur va t'ouvrir ses voies. C'est pourquoi je veux que cette prière-là du prophète Moïse soit aussi ta prière à toi. Et d'appeler le sang pour Nayo. Jour et jour que le Seigneur t'ouvre sa parole. Et que mon corps a fumé la Nayo du Lobanaye. C'était même la prière du frère Paul. Et ça qui appelle le sang pour Yande Konadison Paul. C'était la prière du frère Paul. Et que le Seigneur remplisse le frère de Colosse et l'esprit de connaissance selon sa volonté. Et que le frère de Colosse connaisse
connaissent vraiment la volonté de Dieu. Et c'est dans la volonté de Dieu qui amène le salut. Je sens que je veux plus de voir avec ce micro. Que les frères de Colosse connaissent la volonté de Dieu. Alors, ils vont plaire au Seigneur Jésus-Christ. Ça doit être aussi ta prière. Tu dois aimer l'enseignement. Tu dois aimer la parole de Dieu. À chaque fois que tu viens ici, prie déjà à partir de la maison, Seigneur, ouvre-moi l'intelligence. Ne laisse pas mon intelligence fermée dans les ténèbres. J'avais dit le vendredi que le travail de Satan, c'est de maintenir dans les ténèbres. S'il te maintient dans les ténèbres, il te maintient aussi dans les péchés. Parce que tu ne marcheras pas selon la volonté de Dieu. Alors cela doit être vraiment ta prière. Et tu puisses réaliser que l'enseignement que nous avons, depuis qu'on avait commencé jusque là, tu as retenu quelque chose. Concernant les pères sans levain, concernant la saine doctrine et même la maison de Dieu que nous avions entamée depuis le mardi, que tu as retenu quelque chose et que tu ne puisses pas être une citerne crevassée qui veut fuir de l'eau. Amen. Vraiment que le Seigneur te fasse grâce. Je dis que le Seigneur te fasse grâce. Que ta vie soit vraiment un dépôt de la parole. Nous parlons sur la saine doctrine. Les choses conformes à la saine doctrine. Et on était arrivé sur la maison de Dieu. On avait dit que la saine doctrine, c'est ça même la doctrine de Jésus-Christ. C'est la doctrine qui purifie l'homme qui croit à ça. Et d'ailleurs, de cette doctrine, il n'y a pas d'autres enseignements qui purifient. Si quelqu'un n'écoute pas cet enseignement, l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement des apôtres, il ne sera pas non plus pur ou sanctifié selon Dieu. Il sera rejeté. Il ne sera pas préparé pour les noces de l'agneau. Mais on avait aussi dit, c'est un enseignement ou une doctrine que les gens ne supportent plus. C'est un enseignement que les gens ne supportent plus. Amen. C'est pourquoi le frère Paul disait, dit à Timothée, prêche la parole. Assiste en toute occasion favorable ou non. Dans 2 Timothée chapitre 4. Il dit, reprends. Non, Pamela, reprends. Ah. Censure et exhorte en toute douceur, car il viendra des temps où les gens ne supporteront plus la sainte doctrine et ils auront la démangeaison d'écouter les choses agréables. Alors ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Aya
Ils vont leur prêcher des choses agréables. Mais on dit à Timothée, qui était un ministre de Dieu authentique, toi fais l'œuvre d'un évangéliste. Non, toi fais l'œuvre d'un prédicateur de l'évangile. Parce que d'autres ne supportent plus la scène de doctrine. Toi ne suis plus, ne suis pas leur voix, mais toi prêche l'évangile qui est la scène de doctrine. J'avais dit ceci. Ce comportement-là d'aujourd'hui, où nous voyons les gens ne plus supporter la scène de doctrine. Nous l'avions déjà vu là-bas dans l'ombre avec Israël. Parce que Israël, tel qu'il était là, Israël, il était le matériel didactique de Dieu. Seulement avec le même Israël, Dieu peut parler de la vie de Jésus-Christ, le même peuple là. Avec le même peuple d'Israël, Dieu aussi peut parler des apostats, des gens qui ont renié la foi. Et concernant les gens qui ne supporteront plus la sainte doctrine, le Seigneur en avait déjà parlé dans Ésaïe chapitre 30. Si je fais la récapitulation de la semaine, parce que la plupart d'entre nous n'étaient pas présents, je prends Ésaïe chapitre 30, le verset 8. Jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. On y va maintenant. Écris ces choses devant eux sur une table. Et grave-les dans un livre. Afin que ces choses subsistent dans les temps. Éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs. Ici le Seigneur voit dans le peuple la rébellion. Donc, la rébellion, cela veut dire des gens qui ne se soumettent plus à l'autorité. L'autorité de Dieu, c'était en obéissant à la loi qu'il avait donnée à Moïse. On dit que c'est un peuple rebelle et ce sont des enfants menteurs. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne prophétisez pas les vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez-nous des chimères. Ici déjà dans l'ombre, frère. Lorsque le peuple est entré dans la rébellion, il ne voulait plus écouter la loi de l'Éternel. La loi qui était juste. La loi qui était sainte. Les lois de vérité que le Seigneur avait données. Ils ont dit aux prophètes,
Et nous prophétisons pas de vérité ici. Ils ont dit, dites-nous des choses flatteuses. Des chimères. Et pour cela, il faut la puissance ou la force qui vient du
Seigneur lui-même. Et que le Seigneur te fortifie. De la même manière que toi, même là où tu travailles, si le travail là c'est Dieu qui te l'avait donné, tu vas vivre des persécutions. Mais pour que tu sois vainqueur à tout moment, il faut que le Seigneur te fasse par son esprit. C'est comme ça la loi de l'Éternel. Il a commencé par représenter ces vases qui étaient au-dessus du chandelier. J'aimerais que vous puissiez bien me suivre. Parce que quand Dieu veut parler de quelque chose au prophète, situation. Il va d'abord commencer par lui montrer une image. Et c'est à l'issue de cette image qu'il va lui expliquer la situation qui est là. C'est comme le prophète Jérémie. Il avait trouvé à son temps, les peuples étaient dans la rébellion. Ils étaient vraiment des rebelles. Maintenant, lui, il était un enfant. Le Seigneur devait le fortifier. Vous lui dites que je serai toujours avec toi. Il ne faut pas avoir peur d'eux, ils sont dans les mal. Tout ce que je te dis, s'accomplira. Alors il ne faut pas avoir peur. Il dit au prophète, que vois-tu? Il dit, je vois une branche d'amandier. Amandier. Il dit, oui, tu vois bien. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Mais ce que moi j'ai dit s'accomplira toujours. Et puis il lui a donné que je te ferai une miraille forte. Là c'est la situation qui était là. Vous voyez même avec Moïse. Le Seigneur lui a montré un buisson ardent qui avait du feu, qui avait des flammes. Non, les buissons c'est pas c'est pas possible que c'est figuier. Les puissants, c'est manzété, on a un désert dans le Kaukawan. Il lui a montré ça avec les feux que ça brûlait. Mais l'arbre ne s'est consumé pas. Vous voyez, moi je suis réticent à certaines interprétations des gens. Ils disent, vous voyez cet arbre là, les buissons, c'est les chandeliers allumés. C'est Actes chapitre 2. Il y avait des lampes de feu sur leur tête. Mais eux ne se consumaient pas. Non, le Seigneur voulait parler à Moïse de la situation qui était là. De la mission qu'il voulait lui donner. Il lui a montré un arbre qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Frère, cet arbre là qui avait du feu, qui ne se consumait pas, c'était Israël dans la captivité. Il brûlait parce qu'il était sous la servitude de Pharaon. Mais il ne se consumait pas parce qu'il n'était pas exterminé. C'est pourquoi quand tu lis le chapitre 1, on dit qu'on les a câblés. Mais elle s'est multipliée toujours, il s'est multipliée. On lui donnait des corps.
personnes les puissants qui brillaient mais ne se consumaient pas. Quand Dieu veut parler à un prophète, il commence par lui montrer les signes. Et à partir de ces signes, il va interpréter pour lui. Alors tu sors directement du contexte de l'écriture. Tu sors du contexte. Tu donnes ton interprétation. Et au fil des années, on veut vérifier comme ça. Ah, c'était des églises. C'est pourquoi maintenant il a donné une vision à Zorobabel. À Zacharie. Et parce que nous disons que Zorobabel, c'est Jésus-Christ lui-même. Et la maison que Zorobabel bâtissait, c'était le temple. Aujourd'hui, c'est l'église du Seigneur. C'est toi et moi. Nous sommes les temples de Dieu. Le temple qui est en train d'être rebâti. Mais vous ne faites pas partie du corps de Christ. Ah, si vous allez, mon côté, n'a été ni en d'autres.
Parce que le corps du Christ en fait partie de ça par les baptêmes du Saint-Esprit. Nous allons déjà à la fin de la prédication. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Le verset 12 au verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit. Pourquoi? Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave ou libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Mais il est formé de plusieurs membres. Amen. On dit ici, il y a un seul corps. Mais il y a plusieurs membres. Mais pour former ce corps-là, on a été baptisé du Saint-Esprit pour cela. Par là, nous comprenons. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est lui seul qui fait partie du corps de Christ. C'est lui seul qui bénéficie de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui viennent à l'église, mais dont les vies ne changent pas. Pourquoi? La réponse est ici. Ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Pour faire partie du corps de Christ. Vous allez voir des gens qui font 10 ans à l'église, mais sont toujours les mêmes. Ils sont toujours dans les impudicités. Ils sont toujours dans les suies. Les gens qui méprisent même les cultes. C'est vrai qu'il faut chercher mécaniquement pour assister au culte. C'est quoi le problème? C'est le Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'appartient pas non plus à Christ. Amen. Donc nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Pour faire partie du corps de Christ Jésus. Et comment reconnaître d'abord que quelqu'un a le Saint-Esprit? Là, c'est Romains chapitre 5, le verset 5. On dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc celui qui a le Saint-Esprit, on doit voir
voit en lui l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est garder les commandements. C'est respecter la parole. Garder la saine doctrine. C'est lorsque le Saint-Esprit est en toi. Nous ne pouvons pas accepter que tu as le Saint-Esprit, mais tu ne te fais pas voir au culte des semaines. C'est toi qu'on doit aller chercher. Les choses de Dieu en toi, c'est de la mécanique générale. Non, on dit ceci. Pour faire partie du corps du Christ, du temple, comme l'une des pierres, tu veux être baptisé du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous formons le corps de Jésus-Christ. Et cette maison-là est bâtie par Jésus-Christ lui-même. Les véritables Zorobabel. On dit que malgré l'adversité, il va achever la maison qu'il avait fondée. Je vous dis, frère, l'œuvre de Dieu qui est l'Église arrivera à la perfection. Malgré l'adversité du temps, malgré les faux enseignements, malgré les faux ouvriers, le Seigneur va parfaire son œuvre. C'est lui-même qui nous a appelés. Et c'est lui-même qui le fera. Amen. Parce qu'il ne peut pas échouer dans son œuvre. Il échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il allait un peu facile. Il n'échoue jamais. Dans son œuvre, quand il commence une œuvre, il doit l'amener à la perfection. Amen. C'est pourquoi nous refusons que l'Église était tombée. Oh non, vers 1909, l'Église a connu des âges sombres. C'est pourquoi il doit y avoir un prophète. Vous voyez? Doit y avoir un prophète. Élie. Pour faire les relèvements. Maintenant, Élie apparaît aux États-Unis. Pour relever l'Église du monde entier. Donc, Élie avait vu partout dans le monde qu'il n'y a plus des enfants de Dieu. Non, frère. Ça, c'est les mensonges. Ça, c'est un enseignement qui détruit la vie des gens. Et au fur et à mesure qu'ils ont évolué, les autres l'ont adoré comme Dieu. Parce que l'enseignement, déjà dès le départ, était fauché. C'est pourquoi il faut toujours prêcher la sainte doctrine. Il n'y a de salut qu'en un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. Le seul nom qui sauve. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de quelconque prophète particulier. Non. Aujourd'hui, c'est le ministère de la parole qui travaille. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, nombreuses gens envoyés. Pas une seule personne. Non. Moïse, et puis il y avait Aaron, et puis
Moïse mon sacoli monène lelo est allié Jésus Christ. Donc c'est Moïse est là. Moïse ouais. Aujourd'hui c'est Jésus Christ. Lelo est allié Jésus Christ. La réalité des choses. Bon sort ouais ma. Aaron. Les souverains sacrificateurs. Jésus Christ. Jésus Christ. C'est comme ça qu'on a prêché ça. Et ça c'est moi l'un des baptisés. C'est lui Aaron qui a comparu devant la face de Dieu. Et allié Aaron. Avec le sang de l'animal à son époque. Mais aujourd'hui, il est entré lui-même avec son propre sang. Amen. Aaron est entré lui-même avec son propre sang. Parce que Dieu avait dit, Aaron va entrer là-bas dans les lieux très saints avec le sang. Il n'y aura personne avec lui. L'église n'est pas un sketch.
C'est pas où on fait du théâtre. C'est là où les gens se rassemblent pour devenir meilleurs. C'est que je disais aux gens hier quelque part. Au sujet même des mariages qui se font dans les églises. Vous allez voir, il y a des mariages vraiment qui offensent Dieu. On en parlera aussi. On commence déjà les cultes. Et directement les mariés entrent. Et on arrête. Accueillons les mariés. Les cultes à l'honneur de l'Éternel. Ton frère, tu connaissais pas que c'était ta sœur. Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas?
c'était ta soeur. Donc, toi, vous venez là, dans le vécu. Alors, tu n'étais pas encore rassuré que c'est elle. Maintenant, tu veux te rassurer devant les saints. C'est ça avec les catholicismes dans l'église, frère. Et quand ça, c'est les catholicismes dans l'église. Les gens vont même plus loin. Ça va pas, non? Les choses sales. Qui ne doit pas se faire devant les gens? Et puis on donne à la soeur la parole à l'église. Elle fait la déclaration d'amour. Pour son frère à l'église de Jésus. Au culte de Jésus. Nous ne disons pas ça parce que nous sommes très rigoureux, mais parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Nous, on ne peut pas suivre la manière de marcher des nations. Elle fait des déclarations d'amour. Là, les séries. On a fait parler la sœur en plein culte. C'est pas biblique. C'est pas doctrinal. Mais passe même la bague au doigt. Tu as dit ça où? Là-bas, vous doit tuer ça. On a visité chez Rebecca, c'était au doigt. Dans la Bible, il y a des gens qui portaient les bagues au doigt. Ce n'était pas pour les mariages. Ce n'était pas pour les mariages, mais on portait les bagues au doigt. Il marquait même l'enfant prodigue. On avait dit, faites lui porter la bague au doigt. Lorsque le père les recevait. Et dans toi, tu as eu ça où? C'était au doigt. C'était ici, non? Donc, plus aussi, t'es troué. On fait les choses conformément à la sainte doctrine. Pour nos écritures, n'est-ce pas? Quand t'es troué aussi ici. Quand tu fasses porter ça, alors si tu ne veux pas, c'est que tu ne dois pas en plus porter ça. Mais pourquoi est-ce que tu as eu ça pour les mariages? Ça, ce sont des choses qui ont existé chez les nations là-bas. Les Égyptiens, ce sont les Égyptiens qui portaient plus ça. Ils donnaient quelle raison? Vous voyez comme ces ronds-là, au moins le col est d'ailleurs beaucoup. Ça marque une éternité. Quand tu vois pas quelque chose dans les écritures, il faut chercher ça dehors. Donc ça parle d'une éternité. Peut-être que tu n'as jamais connu ce que les gens font ou ce que tu fais. Maintenant, on porte ça ici à l'annulaire ici. Annulaire ici, le quatrième doigt ici. Et la main gauche. Parce qu'il y a un vin qui part du cœur jusque-là. Donc, on voit déjà l'amour. Là, c'est la interprétation. Maintenant, l'amour infini. On fait porter ça là-bas. Qui vous a dit que votre amour est infini? Ce sont les choses de la terre, ça va passer. Frère à Koukou, il ne faut pas lire frère Moussousou. Hein? La soeur va mourir, tu prends une autre soeur. L'amour infini, c'est l'amour de Jésus-Christ. C'est l'amour qui va au-delà de la mort. Les mariages ici sur la terre, ce sont des choses passagères. Ce sont ces gens-là qui ont fait ça. Et dans l'Église catholique aussi a pris. Ce sont des usages des hommes. Leur croyance. Ce n'est pas les choses de Dieu. Amen. Nous, on doit rester dans les choses conformes à la sainte doctrine.
J'avais dit que nous sommes la maison de Dieu, nous retournons. Je crois qu'il y aura un temps où on doit parler de mariage. Parce que c'est très important. Si les mariages ne sont pas bons, non, ils ne sont pas bons. Dans des faux mariages, nous suivons aussi l'église de Dieu. Nous faisons reculer vraiment l'œuvre. Dieu ne voulait pas les faux mariages, les jeunes enfants. Alors on doit bien savoir comment se marier dans les choses de Dieu. Comment se marier dans les choses de Dieu? Dieu avait dit aux enfants d'Israël, si tu es marié avec ces nations-là, les gens du dehors, ils seront comme des épines hein, à ton côté. Un piège pour toi. Un piège pour quoi? Il va t'amener à une fausse adoration. Alors les malédictions de Dieu s'accompliront dans ta vie. Donc, il a kelimabe. Et kokisama na bomo ina yo. Tu prends quelqu'un d'ailleurs aux unes, tu lui vas au côté ici. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Il ne connaît pas cet homme-là. Il ne connaît pas cette sœur. La plupart des gens qui font ça, ce sont des frères. Ils ont toujours leur raison à donner. Vous voyez, les sœurs ou sœurs ne sont pas attirantes. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est toi qui es charnel. C'est toi qui as trop de désirs du monde en toi. C'est pourquoi tu es allé chercher là-bas. Ça, c'est la mort, frère. La Bible dit, hein, j'ai vu. Non, j'ai vu. Hein? Salomon dit, quand j'ai examiné les choses, j'ai constaté que la femme dans le cœur est un piège. Et les mains comme des liens. Est plus amer que la mort. Plus amer que la mort. Notre prédicateur avait dit ici, si tu te maries mal, c'est là où l'enfer aussi commence dans ta vie. Tu vas envier ta vie de célibataire. Hein, tu vas envier ta vie de célibataire. L'église doit être propre. C'est l'ensemble même des maisons telles que nous sommes là. La maison du papa et maman. Hein? Il faut parler, papa. La maison du papa et maman. La maison du papa Bossin. Notre maison à nous. La maison de maman Marlène. La maison de maman Sarah. Ce sont des maisons qui sont ici. Les maisons. Ce ne sont pas les maisons. La maison des mamans de Maïlé. La maison des papas de papa Fahim. C'est une maison, des maisons qui sont ici. Même si ces maisons ont été fondées sur une base de choses qui ne sont pas la parole. Maintenant, la suite de l'église, qu'est-ce que ça sera? Qu'est-ce que ça sera? Même il y aura d'autres bénédictions qui seront fermées. Pourquoi tu vois vraiment qu'il y a des choses, des alliances qu'il ne reconnaît pas? Lui ne reconnaît pas ça. Les gens se sont tissés leurs propres alliances à eux. Il faut te marier à la personne que Dieu a choisie. Et
Et savoir aussi que le mariage n'est pas une finalité en soi. Amen. Tu as déjà la chose plus grande que le mariage. La vie éternelle. Au jour qui précédait le déluge. Les gens aussi se mariaient. Avant que Jésus ne vienne, les gens aussi se mariaient. Mais s'il était venu, c'était d'abord pour te faire entrer dans le royaume. Amen. C'était d'abord pour te faire entrer dans le royaume. C'est pourquoi il faut garder la parole de Dieu. Toi, comme les pierres de la maison, tu dois garder la sainteté par le Saint-Esprit. Parce qu'on a dit, on doit former une maison spirituelle. Un sacerdoce saint pour offrir des victimes spirituelles à Dieu. C'est comme ma soeur. Tu es aussi sacrificateur. Mais cela ne veut pas dire que tu dois prêcher ici. Non. On a donné la raison pour offrir des victimes spirituelles à Dieu. Cela veut dire que Dieu t'a rendu capable de prier et d'être exaucé. Amen. Amen. Tu es censé là, nous sommes un royaume des sacrificateurs. C'est pourquoi quand il s'agit de l'intercession, tu vas venir prier. Je vais t'exhorter là aussi pour terminer directement la prière. Tu es sacrificateur. Comme le pierre de la maison, vous êtes aussi un saint sacerdoce. Pour offrir à Dieu des victimes spirituelles. On ne peut pas être là, on prie quand tu ne pries pas. Alors tu ignores ton identité. Tu ignores ton identité, ma soeur. Tu ignores ton identité, mon frère. Dieu t'a rendu capable de prier et avoir l'exaucement. Et changer ta vie par la prière. D'être victorieux par la prière. Il t'a ouvert l'accès devant lui. Il a fait que tu puisses aussi t'approcher de lui. Amen. Amen. Lève-toi là où tu es, on va prier. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Nous allons prier le Seigneur. Lui qui nous a choisi pour être les pierres de sa maison. Être aussi un saint sacerdoce pour offrir des victimes spirituelles à Dieu. Nous allons d'abord remercier le Seigneur pour l'enseignement, la prédication de ce matin. Dis à Dieu merci de m'avoir montré le chemin. Dis à Dieu merci de m'avoir fortifié. Dis à Dieu merci de m'avoir donné l'intelligence. Et que cette parole demeure dans mon cœur. Et que cette parole produise les œuvres. Que ces paroles produisent la sainteté de Dieu. Prions le Seigneur, prions. Prions, prions le Seigneur. Et on va nous chanter les cantiques, je sais que c'était le sang. Seigneur, Dieu, mon roi, oh Jésus, sois béni, le Seigneur. Merci pour la parole de ce matin, oh Dieu. Tu nous as rempli de ta pensée, Seigneur. Merci, merci, merci. Merci, Jésus, pour la parole. Merci pour la révélation de ce matin. Et mon cœur est rempli d'allégresse. Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Merci Yahweh pour ta parole ce matin. Merci parce que nous avons écouté, nous sommes sauvés.
sauvé. Seigneur, oh Dieu, merci parce que, tu nous as sanctifié. Merci parce que tu nous as puni. Ta parole qui sauve. Oh Dieu, ta parole qui bénit. Ta parole qui remplit la vie. Jésus Christ, la parole qui console. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour m'avoir enseigné, Jésus. Pour ta bonté, Yahweh. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi, Seigneur. La parole de Dieu, mon Seigneur. Pour le chanter. Merci. 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 Yahweh, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh Jésus. Merci pour la parole, oh Dieu. Oh Jésus, Yahweh mon Dieu, mon roi, pourquoi sont ceux-là qui se sont rassemblés, Seigneur, oh Jésus, ce matin, oh Jésus, pour écouter les hommes, pour écouter le chemin, les paroles flanqueuses, Yahweh mon Dieu, mon roi, les choses belles, les vassants, oh Dieu, oh Jésus. Que le Seigneur puisse te remplir du Saint-Esprit. Prions le Dieu de Dieu. Prions Jésus-Christ.